Bonjour. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devenez moins myope avec le temps, c'est-à-dire que votre myopie se résorbe, se réduit. C'est pas réellement ça. C'est pas. C'est. Alors, je parle pour la majorité des cas. C'est surtout que quand on est jeune, la myopie, si on met un peu plus fort que la correction, et d'une, on s'y habitue, de deux, ça donne un certain contraste qui souvent me plaît bien. Donc, si ce contraste plaît bien, on a tendance à mettre cette correction un peu plus forte. Enfin, l'ophtalmo a tendance à mettre cette correction un petit peu plus forte, sans forcément s'en rendre compte qui vous surcorrige. Et au fil du temps, on obtient une certaine surcorrection. Et après, en vieillissant, avec le temps, quand on commence à avoir plus de difficultés à faire des efforts musculaires pour faire la mise au point. Alors, je ne parle pas nécessairement quand on devient presbyte. Alors, c'est encore plus flagrant, c'est vrai, quand on devient presbyte. Mais eh bien, on se rend compte que l'effort demandé avec la surcorrection devient trop important. Et du coup, on réduit cette correction myopique. Alors, ce n'est pas qu'on a réellement une vue qui s'améliore. C'est surtout qu'on avait surcorrigé avant et qu'après, eh bien, forcément, quand on enlève cette surcorrection, on a un verre moins fort. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Allez, au revoir.